Chapitre 34, qui procure à Passepartout l'occasion de faire un jeu de mots atroce, mais peut-être inédit. Phileas Fogg était en prison. On l'avait enfermé dans le poste de Custom House, la douane de Liverpool, et il devait y passer la nuit en attendant son transfèrement à Londres. Au moment de l'arrestation, Passepartout avait voulu se précipiter sur le détective. Des policemen le retinrent. Mrs. Aouda, épouvantée par la brutalité du fait, ne sachant rien, n'y pouvait rien comprendre. Passepartout lui expliqua la situation. Mr. Fogg, cet honnête et courageux gentleman auquel elle devait la vie, était arrêté comme voleur. La jeune femme protesta contre une telle allégation. Son cœur s'indigna et des pleurs coulèrent de ses yeux quand elle vit qu'elle ne pouvait rien faire, rien tenter, pour sauver son sauveur. Quant à Fix, il avait arrêté le gentleman parce que son devoir lui commandait de l'arrêter, fût-il coupable ou non. La justice en déciderait. Mais alors une pensée vint à Passepartout. Cette pensée terrible qu'il était décidément la cause de tout ce malheur. En effet, pourquoi avait-il caché cette aventure à Mr. Fogg? Quand Fix avait révélé et sa qualité d'inspecteur de police, et la mission dont il était chargé, pourquoi avait-il pris sur lui de ne point avertir son maître? Celui-ci, prévenu, aurait sans doute donné à Fix des preuves de son innocence. Il lui aurait démontré son erreur. En tout cas, il n'eût pas véhiculé à ses frais et à ses trousses ce malencontreux agent dont le premier soin avait été de l'arrêter au moment où il mettait le pied sur le sol du Royaume-Uni. En songeant à ses fautes, à ses imprudences, le pauvre garçon était pris d'irrésistibles remords. Il pleurait, il faisait peine à voir, il voulait se briser la tête. Mrs. Aouda et lui étaient restés, malgré le froid, sous le péristyle de la douane. Ils ne voulaient ni l'un ni l'autre quitter la place. Ils voulaient revoir encore une fois Mr. Fogg. Quant à ce gentleman, il était bien et dûment ruiné. Et cela au moment où il allait atteindre son but. Cette arrestation le perdait sans retour. Arrivé à 12h20 à Liverpool le 21 décembre, il avait jusqu'à 8h45 pour se présenter au Reform Club, soit 9h15, et il ne lui en fallait que 6 pour atteindre Londres. En ce moment, qui eût pénétré dans le poste de la douane, eût trouvé Mr. Fogg, immobile, assis sur un banc de bois, sans colère, imperturbable. Résigné, on eût pu le dire, mais ce dernier coup n'avait pu l'émouvoir, au moins en apparence. S'était-il formé en lui une de ces rages secrètes, terribles parce qu'elles sont contenues, et qui n'éclatent qu'au dernier moment, avec une force irrésistible? On ne sait. Mais Phileas Fogg était là, calme, attendant... Quoi? Conservait-il quelque espoir? Croyait-il encore au succès quand la porte de cette prison était fermée sur lui? Quoi qu'il en soit, Mr. Fogg avait soigneusement posé sa montre sur une table et il en regardait les aiguilles marcher. Pas une parole ne s'échappait de ses lèvres, mais son regard avait une fixité singulière. En tout cas, la situation était terrible, et pour qui ne pouvait lire dans cette conscience, elle se résumait ainsi. Honnête homme, Phileas Fogg était ruiné. Malhonnête homme, il était pris. Eut-il alors la pensée de se sauver? Songea-t-il à chercher si ce poste présentait une issue praticable? Pensa-t-il à fuir? On serait tenté de le croire, car à un certain moment, il fit le tour de la chambre. Mais la porte était solidement fermée et la fenêtre garnie de barreaux de fer. Il vint donc se rasseoir et il tira de son portefeuille l'itinéraire du voyage. Sur la ligne qui portait ces mots, 21 décembre, samedi, Liverpool, il ajouta 80e jour, 11h40 du matin. Et il attendit. Une heure sonna à l'horloge de Custom House. Mr. Fogg constata que sa montre avançait de 2 minutes sur cette horloge. 2 heures! En admettant qu'il montât en ce moment dans un express, il pouvait encore arriver à Londres et au Reform Club avant 8h45 du soir. Son front se plissa légèrement. À 2h33, un bruit retentit au dehors, un vacarme de porte qui s'ouvrait. On entendait la voix de Passepartout, on entendait la voix de Fix.
Le regard de Phileas Fogg brilla un instant. La porte du poste s'ouvrit et il vit Mrs. Aouda, Passepartout, Fix qui se précipitèrent vers lui. Fix était hors d'haleine, les cheveux en désordre. Il ne pouvait parler. « Monsieur » balbutia-t-il. « Monsieur, pardon. Une ressemblance déplorable. Voleur arrêté depuis 3 jours. Vous... libre !» Phileas Fogg était libre. Il alla au détective. Il le regarda bien en face et faisant le seul mouvement rapide qu'il eût jamais fait et qu'il dût jamais faire de sa vie, il ramena ses 2 bras en arrière, puis, avec la précision d'un automate, il frappa de ses 2 poings le malheureux inspecteur. « Bien tapé !» s'écria Passepartout, qui, se permettant un atroce jeu de mots bien digne d'un Français, ajouta « Pardieu ! Voilà ce qu'on peut appeler une belle application de points d'Angleterre !» Fix, renversé, ne prononça pas un mot. Il n'avait que ce qu'il méritait. Mais aussitôt Mr. Fogg, Mrs. Aouda, Passepartout quittèrent la douane. Ils se jetèrent dans une voiture et en quelques minutes, ils arrivèrent à la gare de Liverpool. Phileas Fogg demanda s'il y avait un express prêt à partir pour Londres. Il était 2h40. L'express était parti depuis 35 minutes. Phileas Fogg commanda alors un train spécial. Il y avait plusieurs locomotives de grande vitesse en pression. Mais, attendu les exigences du service, le train spécial ne put quitter la gare avant 3h. À 3h, Phileas Fogg, après avoir dit quelques mots au mécanicien d'une certaine prime à gagner, filait dans la direction de Londres en compagnie de la jeune femme et de son fidèle serviteur. Il fallait franchir en 5h30 la distance qui sépare Liverpool de Londres, chose très faisable quand la voie est libre sur tout le parcours. Mais il y eut des retards forcés et quand le gentleman arriva à la gare, 9h-10 sonnait à toutes les horloges de Londres. Phileas Fogg, après avoir accompli ce voyage autour du monde, arrivait avec un retard de 5 minutes. Il avait perdu.